Yo, petit tuto pour vous montrer comment installer LCL PY, donc une Arcane Light, facilement, genre vraiment en une vidéo, pas avec des screenshots ni rien. Donc là, je suis sur une machine virtuelle, hop, on va passer en mode comme ça, pour ça, ce sera plus agréable pour tout le monde. Hop, voilà. Donc là, on est comme ça, on s'en fout de ces messages. Donc là, c'est un truc à propre, je vous montrer comment installer Lunar Client Lite. Tout de suite. Donc là, vous allez ouvrir votre navigateur internet. On s'en fout duquel c'est. Donc là, bah moi, j'ai pas le choix. Je suis simplement avec celui par défaut. Hop. On va aller sur google.com. Hop là. Donc, on va be avoir besoin de Lunar Client, de Node. Hop. Du vrai Lunar Client, parce que le Lunar Client Lite fonctionne avec le Lunar Client en fait. Si vous faites pas les mises à jour du vrai Lunar, ça ne fonctionnera pas. Donc là, on l'a bien installé. Ensuite, de toute façon, vous aurez tous les liens en description. Moi, je suis obligé de passer par une de mes vidéos, qui est celle-là. Hop. Dans celle-là, dans cette description-là. Hop. On va baisser le son. Dans cette description-là. J'avais ce lien pour GraalVM, il sera dans cette description aussi. Vous avez besoin de 7-Zip au préalable, c'est mieux. Sinon, bah, vous n'allez pas pouvoir vraiment dézipper rapidement et tout. Bref, prenez 7-Zip, c'est la vie. Donc là, on prend la version 64 bits parce que j'ai un PC 64 bits. Et là, il nous manque la dernière chose, il nous manque le Lunar Client Lite. Donc là, vous allez créer un dossier sur votre bureau qui s'appelle LCL. Peu importe, là où vous voulez installer Lunar Client Lite, vous le mettez là-dedans. Vous allez dans vos paramètres de votre navigateur, paramètres. Dans votre barre de recherche, vous allez marquer, là, je vais faire une connerie, vous allez marquer téléchargement. Et donc là, bref, vous descendez tout en bas, enfin bref, vous trouverez l'option, c'est de demander à chaque fois où installer le fichier qu'on va télécharger. Donc vous le cochez bien. Vous allez dans votre, dans vos paramètres Windows Defender. Ou dans les paramètres de votre antivirus que vous utilisez, hop, et vous cherchez comment créer une exclusion. Donc sur Windows Defender, c'est simple, vous allez dans protection contre les virus, gérer les paramètres, vous descendez tout en bas, exclusion, ajouter ou supprimer une exclusion, vous faites ajouter une exclusion, dossier, bureau, le dossier que vous avez créé, sélectionnez un dossier, oui, hop, vous avez créé votre exclusion, vous retournez sur votre Google, vous allez sur le lien en description pour télécharger le Lunar Client Lite. Donc moi je vais le télécharger à la main directement sur le GitHub de la personne. Hop, donc là, voilà, on va dans repo, SLPY. Hop, faut télécharger le SLPY GUI si vous voulez faire à la main à la place du lien qui est en description. On fait enregistrer sous, du coup, et on va l'enregistrer dans le dossier qu'on a créé et où il y a l'exclusion. On fait enregistrer. Là, on fait conserver. On fait afficher plus. Conserver quand même. Et donc là, vous avez exactement tout ce qu'il vous faut. Donc on va tout d'abord ouvrir 7-Zip. On va l'installer. 7-Zip est installé. Ensuite, on va lancer le vrai Lunar. J'accepte. Là, pendant que le vrai Lunar se lance, bon, attention, là, il vient de se lancer. Vous allez lancer toutes les versions à la main. Donc, on va commencer par la 1.7. On fait Save Option. 1.7, on le lance. Et du coup, je disais, pendant que Lunar Client fait ses installations, vous allez dans votre disque local C. Vous cliquez sur la barre là dans le vide. Vous atterrirez ici, C2.slash. Vous tapez Programme Data, tout collé, Programme Data, comme c'est marqué. Faites clic droit, Nouveau, Dossier. Vous le nommez GraalVM. G majuscule et VM en majuscule, le reste tout en minuscule. Vous allez dedans. Et donc, le zip que vous avez téléchargé avec GraalVM, vous l'ouvrez. Donc avec 7-Zip. Hop, ouvrir l'archive. GraalVM. Et donc là, tout ce qui est bin à tout en bas, vous le copiez à l'intérieur. Faites drag and drop. Et après, il n'y a plus rien qui est compliqué. Vous avez totalement GG pour l'installation de votre Lunar.
Donc là, on va attendre que celui-là se lance. On va juste faire l'exemple avec une seule version. J'ai la flemme de le faire avec toutes les versions. Mais en gros, il va falloir que vous lanciez toutes les versions pour avoir toutes les dernières mises à jour. Sinon, ça se lancera pas. Et en attendant, on va du coup lancer le Lunar Client PY. Voilà, information complémentaire, exécutée quand même. Donc là, on aura la version 1.7. Donc là, c'est celle qui se lance. Donc là, il y a une erreur, on s'en fout. C'est parce que j'ai pas de carte graphique ni rien. Bref. Vous, ça fonctionnera, votre Lunar. Vous installez bien toutes les versions. Hop. Donc ça, je vais le fermer. Et pour ce qui est des settings ici, vous allez dans Edit. Et du coup, vous aurez tout ça à modifier. Je vais vous mettre un lien en description. Pareil. Il y aura tout dans la description, n'oubliez pas. Vous voulez exactement les mêmes options. Hop. Là, donc ça, on va faire enregistrer tout pour. Et pour le deuxième lien, pour avoir les mêmes réglages Lunar, les options Lunar comme moi, vous allez tout simplement aussi dans le lien qui est dans la description. Donc là, je vais pas me tromper. Merde. Flash. Hop là. Voilà. Enregistré. Donc là, on retourne dans le dossier. Téléchargement. Vous avez lclpy.txt, donc c'est des options comme ça. Vous les copier-coller dans le .txt, dans l'autre. Hop. Ctrl S. Vous pouvez fermer. Hop. Et pour les options Lunar, donc ceux des modes, etc., vous avez un default.zip que vous allez ouvrir l'archive. Et vous allez aller dans disque local C, utilisateur, votre nom d'utilisateur, point Lunar client, settings. Et ici, vous aurez un dossier qui s'appelle default. Vous entrez dedans, et dans ce dossier default, vous déplacez exactement tout ce qu'il y a. Alors, petit fail, il y aura settings, game, et ensuite default. Et dans le default, c'est là où vous copiez, enfin, vous collez tout ce qu'il y a. Il y aura juste game avant, quoi. Je me suis juste fait game, default, et vous collez tout à l'intérieur. Et pour ceux qui ne veulent plus laguer et avoir exactement les mêmes options Minecraft que moi, vous allez aller regarder votre dynamique FOV en jeu, s'il est en on ou off. Et en fonction de s'il est en off ou on, vous lancez le point exe en question. Moi, il est en on. Et donc là, vous voyez, si vous avez une carte graphique Nvidia ou AMD, vous cliquez sur l'option 1 ou 2 en fonction de la version sur laquelle vous voulez jouer. Et si vous n'avez pas de carte graphique AMD ou Nvidia, ou alors que vous avez une carte graphique Intel, HD Graphics, vous lancez l'option 3 ou 4 en fonction de la version sur laquelle vous voulez jouer. Et vous vérifiez bien en jeu, juste après. Donc là, par exemple, je vais mettre... non, j'ai la flemme de faire. Mais vous vérifiez bien en jeu que vous avez 4 en render distance. Si vous voulez vraiment l'augmenter, augmentez à maximum 8, pas plus. Sinon, je vous conseille 4. Et si vous êtes sur PC portable, laissez en 255 FPS. Et si vous êtes sur un PC fixe, passez en Unlimited. Et puis GG, vous aurez exactement tout ce qu'il faut. Et désormais, vous avez Lunar Client Lite avec mes options et les bons réglages pour jouer, tout simplement. Donc après, vous avez juste à lancer, enfin créer un raccourci si vous voulez, le lancer plus rapidement. Donc par exemple, on va le renommer LCL. Là, si je tape LCL sur la barre de recherche, ça le trouve, voilà, bref. Vous avez compris. Vous avez appris enfin comment installer LCL sans galérer. Suivez le tuto de A à Z, faites tout étape par étape et vous aurez aucun souci. Voilà, au bye Simir.